On va repartir dans un univers qui était le vôtre il y a encore quelques mois, un appartement d'une cinquantaine de mètres carrés. C'est l'objet de la séquence rénovée d'aujourd'hui, transformation de cet appartement, appartement métamorphosé grâce à de nombreuses astuces de rangement. Vous allez récupérer, j'en suis intimement persuadé, quelques bonnes idées. Regardez s'il vous plaît, c'est la séquence rénovée. Andrea est brésilienne, habituée au soleil et à la chaleur. Elle voulait pour son appartement parisien un lieu baigné de lumière. J'ai habité entre le Brésil et la France. Et quand je suis venue ici, j'habitais au début dans un petit appartement, le premier étage. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible ça. J'ai commencé à être déprimée. Et j'ai dit non, j'ai envie de changer. J'ai commencé à chercher, à chercher. Ah non. Et là, j'ai trouvé l'appartement. Exposé plein sud, avec une vue très dégagée, cet appartement de 50 mètres carrés devait subir d'importantes transformations pour qu'Andrea s'y sente bien. Elle a donc fait appel à Lionel Bard. Son credo, offrir à de petits espaces des prestations dignes des grands appartements en travaillant intelligemment sur la volumétrie. Ici, vous aviez un salon qui était vraiment petit, rectangulaire, très mal fichu. Et vous aviez de l'autre côté, en fait, une cuisine qui était complètement fermée, donc un peu monotone. Il a fallu en fait créer trois espaces distincts dans cet espace unique, c'est-à-dire un espace prise de repas, un espace salle à manger et un coin son pour la musique. Une fois le volume principal retravaillé, une réflexion devait être menée autour des rangements. Donc quand on a dressé le cahier des charges en fait avec la propriétaire, elle nous a demandé en fait 20 mètres cubes de rangement. Donc c'était tout le défi de cet appartement qui fait 50 mètres carrés. Il va falloir trouver dans cet appartement de 50 mètres carrés 20 mètres cubes de rangement. Donc on a partout en fait dans l'appartement des blocs extrusion qui sont en fait des placards relief qui sont fondus avec les murs. Au niveau des sols, il fallait passer un revêtement qui puisse complètement agrandir la surface. Donc c'est pour ça qu'on a un sol sans joint, on a un béton ciré en totalité, donc de manière à étirer vraiment l'espace. On a profité de la rénovation en fait pour faire des économies d'énergie. Donc plusieurs postes sont importants. Vous avez le poste donc éclairage. Toute la spoterie en fait c'est une spoterie basse consommation. Bien sûr donc tous les doubles vitrages ont été faits également, donc PVC, double vitrage. Également 80% des murs en fait ont été doublés. Andrea étant musicienne, un soin particulier a en effet été accordé à l'isolation phonique. Un isolant assez mince, certifié Acermi, a été choisi pour ses bonnes performances thermiques et acoustiques. Il n'empiète pas trop sur la surface habitable, il est donc idéal pour la rénovation de petites surfaces urbaines. On gagne jusqu'à 50% en fait de performance acoustique. Comment? En fait, c'est une plaque qui fait 3 cm, composée en deux, c'est-à-dire vous avez 2 cm de laine compressée sur une plaque de plâtre de 1 cm. Donc pour être très précis ici, on a typiquement en fait cette fameuse plaque de 3 cm, donc de laine de verre compressée, sur laquelle on a apposé et surajouté une plaque de médium, donc de bois reconstitué de 2 cm. Donc pour une isolation acoustique optimale. Donc là on arrive dans la chambre. La chambre donc initialement était plus grande. Donc il a fallu, un, la rétrécir. Deux, il n'y avait pas de dressing donc intégré dans la chambre, donc il fallait créer un espace dressing entièrement intégré. Là on a une salle de bain qui à l'origine était fermée, qu'il a donc fallu ouvrir, redessiner. La propriétaire en fait souhaitait avoir un espace console, un espace douche italienne et un espace bain très grand, tout ça dans 2,5 m. Alors ces 2,5 m en fait, il a fallu complètement les redessiner. Et ce qu'on a créé en fait ici, c'est une baignoire spa, un mini spa en béton avec une couverture en pâte de verre. Pour agrandir visuellement l'espace, le même revêtement a été utilisé pour le mur de la salle de bain et celui de la chambre. Alors ici, c'est un endroit important, c'est donc la troisième pièce de la maison. C'était un atout
formidable pour la propriétaire. En termes de revêtement, donc, on est passé sur un teak, c'est un bois exotique brésilien sur la totalité de la terrasse. En termes de plaquage, en fait, on est parti sur une pierre reconstituée de 3 mm. Ça fait une terrasse qui est complètement lavable, été comme hiver, contrairement à une terrasse avec des revêtements en torchis. Et ici, donc, on a un caisson, si vous voulez, naturel. C'est un caisson en fait, qui nous protège complètement du vent sur cet espace et qui fait en sorte que entre le dernier étage où nous sommes et le rez-de-chaussée en bas, vous avez jusqu'à 10-12 degrés de différence de température. Avec la décoration des bambous, ça me rappelle un peu le Brésil. Quand je suis ici, c'est très important aussi. Bon, ça, c'est le côté français, des oliviers. Donc, j'ai fait un mélange. Ça change ma vie. Ça, c'est une classe supplémentaire de plus en plus en plus. Parce que des fois, je n'ai pas envie de sortir. Surtout quand il y a le soleil, je mets mon maillot de bain ici. Je dis, je suis au Brésil, au moins pour 5 secondes.